Bonjour à tous, ici 14 FRS 2507 Sébastien. Bienvenue aujourd'hui dans une petite vidéo de présentation d'une antenne directive, donc achetée il y a quelques semaines sur Le Bon Coin. Donc une antenne très compacte qui est équipée de brins télescopiques. Donc quatre grands brins télescopiques. À l'arrière de l'antenne se trouve quatre petits brins ici. Cette antenne est équipée ici d'une prise BNC pour le raccord du câble coaxial. Donc voici l'antenne dans sa globalité. L'avantage de cette antenne, c'est que les brins télescopiques se rabattent ici totalement. Donc sur le côté de chaque antenne, comme ceci, ça permet dans le sac à dos pas de prise de place particulière. Donc l'encombrement, on va dire, est très réduit. Donc elle est fixée sur un mât télescopique qui vient d'un magasin de nautisme. Donc voici le mât. Cette antenne est maintenue grâce à une rotule d'antenne VHF marine équipée ici de sa molette. Alors pourquoi je l'ai mise sur un mât aluminium avec une rotule? Tout simplement pour changer la polarité de l'antenne. Donc si je vais la mettre en position verticale, il suffit juste de dévisser la rotule ici, d'incliner l'antenne pour récupérer une position verticale, une antenne très compacte qui me servira notamment à faire de l'écoute avec un récepteur style ICOM ICR30 pour écouter les contests en VHF, en USB, en UHF, aussi bien de l'écoute avec l'Uniden UBC 3600 XLT, notamment la bande VHF marine, bande VHF aviation. Par contre, j'ai pas du tout la référence de cette antenne. J'ai demandé à la personne à qui je l'ai acheté, mais aucune connaissance particulière. Donc il y aura peut-être des opérateurs qui connaîtront peut-être ce modèle. Donc si vous avez la référence, en tout cas, n'hésitez pas. Mais en tout cas, très bon petit matériel pour l'époque. Donc les bonnes 73 à vous, bonne vidéo, et au plaisir de se recopier prochainement. 73 14 FRS 2507 Sébastien.